Salut les Wikidrummers et bienvenue sur un nouveau Wikitest. Aujourd'hui, on s'attaque à la caisse claire Pearl Reference. Modèle acier, finition chrome, 14 par 6,5 et vous allez voir, elle a du coffre. On écoute ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit, on est sur un fût en acier de 2,5 mm d'épaisseur. C'est épais pour un fût en métal et surtout, c'est lourd. C'est vraiment la grosse Bertha. Il va vous falloir soulever des poids avant de vous trimballer cette caisse claire en concert parce que vraiment, s'il y a un point négatif sur cette caisse claire, c'est qu'elle est lourde. Mais elle sonne vachement bien. Elle peut être clinquant. Je trouve qu'elle sonne encore meilleure quand elle est détendue complètement. J'avais quasiment deux tirants. Vous entendez ? Complètement détendu. D'ailleurs, on est sur un 10 tirants fourni avec Poremo au-dessus, en dessous. Réglage timbre des deux côtés. Donc, on a le déclencheur qui va de haut en bas sur le côté gauche et la molette avec sécurité où on a le bouton poussoir et on tourne sur le côté droit. Alors, c'est une question de on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère que tout soit sur le même déclencheur. Mais bon, voilà, les concurrents font aussi ce genre de déclencheur à droite-gauche. À vous de voir. Ça reste quand même pratique. Faites attention de ne pas oublier à activer le bouton de sécurité. Et surtout, surtout, on a des cercles moulés, mais ça rajoute encore du poids. Donc pensez bien quand vous avez ce modèle-là à faire attention, ça pèse. Vous savez maintenant tout sur cette caisse claire référence de chez Pearl. Le site et toutes les infos sont en description. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, moi, je vais devoir aller soulever la bébête pour la ranger dans son carton. Ou peut-être me faire un peu de muscu. Bon, j'en sais rien, je vais voir. Je vous dis à la prochaine sur Wikidrummers pour un nouveau Wikitest. Allez, ciao!